Recording in progress.
Le sang Guy. Lyon, j'ai entendu. Oui. D'abord, j'entends. C'est parfait. Merci. Si. Merci à toi. Simplifier le soutien, démarrage ordinateur et tablette 1149 et 75. Uline, peinture jaune 455 et 81. Plan d'incendie, CNP Flyer. Les chapeaux pour les pompiers 3762 et 56. Systimti, support à distance, informatique 57 et 49. Les entreprises Godbout et Fils, débroussaillage l'automne 2023, 5898 et 22. Ministère des Ressources naturelles, loyer canton d'un loup, 147 puis du lit 46, un autre 147 et 17. Vidéotron, lien eau potable, 45 et 99. Hydro-Québec, lumière de rue, 742 et 97. TELUS, téléphone Internet, Camelot, 45 et 93. Téléphone Internet, garage et bureau, 225 et 27. Commission des transports du Québec, la mise à jour du registre des véhicules lourds, 155 $. Coca Expert, formation 31 et 17, Adobe 49 et 48 et 19 et 53. Hydro-Québec pour l'ancien réservoir, électricité 31 et 39, ferme du cinquième rang, déneigement des rangs, sixième déneigement 26 233 et 94, ANT excavation, déneigement des rues, sixième versement 25 869 et 37. Excavation Stéphane Baudry, concassé, excavatrice 868 et 69. Jean-Roch Boulay, Québec, ses remboursements de frais 261 et l'enseignerie, les enseignes pour les entrées du village, là, de la municipalité, 9 000 $ pour un total de 163 000 $, 255 et 89. Question sur les temps? Non. Proposant, je propose. Je ne suis pas vu, secondé. Secondé, Monsieur Nadeau. Correspondance, rien de spécial. Administratif, adoption du premier projet de règlement 2024-2, modifiant la grille d'usage du règlement de zonage numéro 0290. Est-ce que vous n'avez pris connaissance? Oui. Je peux pas remettre le droit là. La démotion, c'est sûr, ce soir, il va être. Et on fait un peu de temps d'adoption, je suis pas mis. Du même coup. Oui. Parce que j'ai des étapes. Parfait. Fait que le projet, la démotion, pas beau là. Monsieur Boivin, secondé. Je ah, bon, M. Poivin, faites-nous un résumé du On veut changer la main du zonage pour le secteur de la partie est de Saint-Paul-de-Montigny. Je soumis du Poivin, bon avis par la présente. Il sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil un règlement visant à modifier le règlement du zonage 0290 relativement aux zones CCM5, CCM6, CCM7, CCM8, situé approximativement entre 484 et le 556, route 216 à l'intersection de la route 283. Plus précisément, ce règlement aura notamment pour objet d'autoriser les usages 4 logements, 4 à 6 logements, 6 à 8 logements, 9 logements et plus dans les zones CCM5, CCM6, CCM7 et CCM8. En gros, c'est pour permettre là, de certaines habitations de pouvoir obtenir des logements dans leur propriété. Et ça, c'est l'avis de motion qui est donné. Ouais. Là, il est fait. Et puis là, nous,
pour lui adopter le premier projet de règlement parce que les procédures, il y a de la petite affichage, une assemblée de consultation, puis par la suite, la copie du référendum et les cartes qui étaient sur la table, s'il y en avait sur la table, s'il vous plaît. Sur la table, si vous avez des questions, comme vous souhaitez avoir des informations. Proposeur, adopter le premier avis. Votre vote. Monsieur Tanguay, secondé. Juste à l'heure. Monsieur Boisman. Oui. Fait que là, l'alignement est parti. Une question. Sinon, à la réunion de juin, on l'adopte. C'est bien ça? Il va y avoir une séance de consultation aussi. S'il y a besoin d'une séance de consultation. De toute façon. C'est le fait. OK. C'est beau pour ces points-là. Point 8, incendie sécurité, adoption du rapport annuel 2023 d'activité de sécurité incendie. Vous avez pris connaissance du rapport annuel? Question? Non. Pour l'adopter? Voilà. Pourquoi? Monsieur Nadeau, secondé. Je seconde. Monsieur Tanguay. Oui. 8.2, adoption du programme de schéma de couverture de risque revisé en sécurité incendie et de son plan de mise en œuvre. Vous avez pris connaissance? Que le conseil municipal a pris connaissance des données du rapport d'activité annuel du service incendie et qu'il l'adopte tel quel. De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC et au directeur incendie, au directeur du service incendie sécurité. Directeur du service de la sécurité incendie. Excusez. Merci. Causa. Monsieur Boivin, secondé. Monsieur Tanguay. Oui. Nomination d'un responsable d'émission de permis de brûlage. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que l'on nomme, c'est ça, parce que je ne veux pas te de ça, est-ce qu'on nomme l'employé municipal, l'employé de voirie? Parce que d'office, c'est le directeur incendie. Ça peut être délégué par une résolution du conseil à une autre personne. Vous êtes d'accord à ce qu'on délègue la responsabilité au responsable de la voirie? Je suis d'accord, proposeur. Fait que donc, les permis vont se donner sur les heures ouvrables de bureau. Oui. Les heures de travail. C'est heureux. Ça reste heureux. Les heures ouvrables de bureau. De faire un feu durant la fin de semaine. Tu appelles le bureau vendredi ou jeudi, puis tu demandes le permis. Question? Propos d'or? Propos. Monsieur Nadeau, secondé? Monsieur Tanguay? Monsieur Boivin? Oui. L'organisation du service incendie, c'est pareil, on n'a pas de papier, ouais, là-dessus. Dans le fond, on veut nommer un responsable administratif qui soit sous les autorités de la direction générale de la municipalité pour faire les suivis des fonctions du schéma, justement, du couverture, remplir les DSI suite à la demande de la municipalité, participer aux pratiques, faire un suivi de calibration des détecteurs de gaz et faire les rapports annuels des interventions. À l'heure qui est là, s'il vous plaît, OK. À l'heure qui est là, c'est les dossiers qu'on lui met. Il va être engagé à l'heure et au besoin. C'est ça. Question? Non. Non. Pas beau bon, ça. Monsieur Nadeau, je vous dis. Monsieur Romain. Ça veut dire, travaux publics, suivi des travaux. Beaucoup, 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 beaucoup de travaux. Beaucoup, 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 avec des photos prises. Beaucoup, 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 beaucoup de travaux. Je pense qu'il faut falloir qu'il y ait des décisions qui soient prises ou est-ce qu'on met priorité. Oui. Ça veut dire que moi, je suggérerais qu'il y ait une planification de rencontre avec l'employé de la voirie. Pour, avec les responsables des chemins. On est mercredi. En fait, ça se passe idéalement la semaine prochaine. Pour qu'ils sachent un petit peu plus. Parce qu'il y a des travaux, il y a des consos, des urgences, tout le monde règle, il règle les problèmes, puis en ligne. Là. Mais la semaine prochaine, il faut qu'il y ait une rencontre idéalement. Lundi, avant la rencontre de travail,
À ma rencontre de Travail. lundi prochain. Lundi prochain, il y a-t-il un rôle de travail? D'habitude, il y en a une. On suit la tendance. Si on suit la tendance, effectivement. Vérifier de la disponibilité avec. Ben, moi, je pense que moi, personnellement, je mettrais. Ça n'est qu'une priorité, c'est vrai. Les responsables des travaux de voirie doivent rencontrer avec la direction le responsable des chemins pour savoir si où est priorité et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je ne serais pas là. Si c'est lundi, c'est lundi, ça peut être mardi, ça peut être toute la semaine. Je ne serais pas là. Comme elle a compris, on va nous voir. Non, ben c'est parce que c'est vous autres, là. C'est vous autres, vous avez décidé, parce que l'employé de la voirie va être disponible pour rencontrer, là. Oh. Fait que moi, je pense que c'est bien d'arrêter une date, là. C'est important. Jean-François, soit là. Jean-François, soit là. Je sais qu'il y a une minute d'absence, mais on va vérifier. Oui, il y a une minute d'absence. Parfait. État du consul du rang 1. Bon, vous avez que le rang 1 est fermé. Le consul est dangereux. On le sait depuis le mois de septembre, octobre l'année passée. Il y a des ingénieurs, des travaux hydrauliques, des mesures, des satellites, notamment, qui se mettent à avoir des. Il y a du monde qui regarde le ponceau. Puis on va avoir des nouvelles, puis après ça, on va avoir des prix, puis après ça, on va demander des soumissions, puis après ça, on va le réparer. On est là. Parfois, des mains d'experts. Et juste préciser, c'est entre la route Godereau et la 283. Il n'est pas fermé sur toute la longueur. C'est juste que le ponceau proche de la route 283, que c'est lui qui est en problématique. Les accès sont par le deux bords, puis par la route Godereau, si jamais vous avez besoin. C'est bon. 9.3, autorisation d'un lieu d'une carte et autoriser le financement pour le règlement d'emprunt 2023-05. Le grade, vous avez procédé d'améliorer les chemins sans avoir besoin du grader des fois. Vous avez décidé d'acheter 22 400 $ plus taxes. 2 400 plus taxes. Question? Bon, bon là. Je propose. Monsieur Tanguay, j'ai abordé. Oui, monsieur Boivin. Oui, parfait. Termination de deux représentants pour le suivi du PIL. Le PIL, c'est comme le PIL, de je ne sais pas trop dans quelle année. Là. On a dû commencer ça en 2014-15 pour finalement faire les travaux en 20. En 2020, que c'est le même principe. Puis là, ça prend des représentants de la municipalité pour suivre le dossier, parce que là, le PIRL fait, fait les études de toute la MRC au complet. C'est un PIRL qui a été nommé faire les études de la MRC au complet, tous les chemins. Et après, il faut prioriser dans notre municipalité, puis il va y avoir une rencontre prochainement, c'est sûr. Prochainement, c'est pour ça qu'il fallait nommer, deux personnes responsables. Moi, j'étais allé à une rencontre, mais au bout, je pense que j'étais allé à une vous aussi, mais là, ça prendrait une autre personne. Donc, là, il faut être sûr qu'il y ait toujours deux personnes qu'on suive le dossier. Nous, on a les priorités, c'est pas pour nous. Eux, les ingénieurs, ils ont d'autres priorités. Il faut discuter, il faut donner nos opinions, puis nos priorités à nous. Fait que ça prend du monde qui sont là. Souvent, oui, c'est beau, ça c'est sûr, mais c'est 99% en zone. Un peu n'importe qui, à un moment donné, ou quelqu'un qui fallait qu'il y ait du monde qui soit disponible, parce que maintenant on se réserve une date, puis si la date est là, puis c'est à 14 h l'après-midi, mais c'est à 14 h l'après-midi, ça dure une heure et demie, ils nous font l'explication, ben, il faut nommer quelqu'un. C'est quelqu'un qui est.
qui est disponible ou si je nomme quelqu'un? On va nommer trois qui ne sont pas là. On nomme les trois qui ne sont pas là, ça donne trois options. Ouais, la blague est drôle, mais c'est parce qu'elle tient nos chemins. Puis ça, c'est pour 2025, 2026, 2027. Il y a 3 ans de pire, le moment qu'on va choquer des subventions pour améliorer les routes. Mais à un moment donné, il faut donner une opinion. Il faut dire, regarde, finalement, non, nous autres, on va mieux être là, plus que là, puis il faut être capable de donner une opinion. C'est important qu'on soit présent. Moi, j'étais là, le dernier coup. Alors, oui, tu ne peux pas être, c'est salarié. Les salariés, des conflits, plein de monnaie, Christy, des réunions, c'est bien beau, là, mais. Fait que j'ai été là le dernier coup. L'autre coup d'avant, c'était comme plus loin, mais c'était de la paperasse. C'est-à-dire, là, le dernier coup, ils nous l'ont dit, là, ça prend 2 responsables par municipalité. Des fois qu'on vient, pour pas qu'ils recommencent à répéter, parce que là, ils vont venir nous rencontrer. La prochaine rencontre est bientôt, là. Mais ils vont venir nous rencontrer directement, nous autres, la municipalité. Ici, dans la salle. C'est quoi nos besoins? C'est quoi qu'on fait? C'est que si on n'a pas suivi le dossier, puis on ne sait pas où ce qu'on est, c'est comme plaisant quand on sait où ce qu'on est. Fait que, M. Tanguay, Oui. nommé. Bon, peux-tu mettre Jean-François aussi? Si, Ben, ça nous fait que des fois, voilà. Ouais, des fois, Jean-François, dans le jour, peut-être capable de se libérer. Éric et Jean-François. Vous avez donné le nom avec les adresses e-mail, parce que dans le fond, pour l'invitation, si vous êtes quand même connectés tous les deux, c'est merveilleux, c'est parfait. Puis quand on suit, c'est parce que si on ne suit pas, eux autres, ils suivent. Qui avance. Restez-vous dans le groupe? Laissez-moi dans le groupe. Si vous pouvez être disponible pour être là. Plus qu'on est pour être capable de voir. Parce que les autres, ils ont une manière de voir. Que je m'arrête de dire ça, là, mais. Les autres disent justement, laissez-les les affaires complètes. Comme ça, on leur faut. C'est la manière de réfléchir. Désolé, c'est enregistré. 9.5. Mandat à Beaupuchère. Mandat à Beaupuchère, 20 113,95 pour sensiblement la même quantité que l'année passée, hein, mais du liquide, 35 %. Question? Non. Pas bon d'art? Je propose. Monsieur Tanguay? Secondé. Monsieur Nadeau? Oui. Débroussaillage au même taux à 95 $ pour chaque tracteur. Quand ils viennent 2 tracteurs, ben, ça fait 200 $. Le même tarif qu'on a eu l'année passée, qu'on a eu l'autre année d'avant, si je me souviens bien. Mais je me sens que c'est la 3e année qu'ils vont faire. Il s'agit de les identifier, les responsables de la voirie. Moi, j'aimerais avoir, ou si je le précise, pour la première séance de juillet, où est-ce qu'on le fait cette année? On commence où, on finit où? On commence où, on finit où? Ce pourrait être la montagne, le soleil, puis le relais. Mais c'est juste que quand on va lui donner, quand ils vont arriver, s'ils arrivent en août, ils arrivent en août. S'ils arrivent en octobre, ils arrivent en octobre, mais il ne faut pas que quand ils arrivent, qu'ils ne sachent pas où aller. Le plan, Ouais. actuellement, c'est bien sur les Ouais, mais c'est juste que là, oui et non, parce que ça le changerait un petit peu, là. Tu sais, on a redistribué un petit peu là pour en mettre un petit peu plus quand on va vers le relais, là. Ça, c'est le 3e mandat au relais. Là, on est dans le 2e, c'est bien ça? Mais C'est là, l'année passée, c'est parce qu'on avait peut-être servi de plus. Fait que là, on avait modifié un peu en montant. C'est pour ça que je dis, là. Où est-ce qu'il commence puis où est-ce qu'il finit pour être sûr qu'on fasse tous les secteurs puis qu'on réussisse à faire des secteurs quand on va arrêter, que la machine s'envole là, qu'elle fasse tout au complet. Pour qu'on arrive finalement avec plus, s'il reste 2-3 km, puis là, finalement, son temps est découlé. T'sais. Parce qu'en temps normal, il a fait toute la montagne de Saint-Henri, puis le bord de la 283, et relève. Et relève. Fait que dans un coup, c'est trop. Ça veut dire qu'on Okay. le prend à relève, puis on s'en vient, puis on finira ici. Ou vice-versa, mais il faut le faire de même parce qu'il y a censure. Ben, c'est pour ça que je dis que où est-ce qu'on commence? Ou bien on dit, ben, finalement, fais-le, puis tu n'as pas de temps. Parce que quand tu as le budget, il est dépensé, il arrête. Fait que s'il arrête, puis il reste 3 km, puis là, faut finalement, il est au bout de relève, soit d'un côté ou ben non, de l'autre. Puis pour ça, l'année d'après, il faut qu'il remonte là, mais pour ça, ça revient dans le rang, parce que notre première est dans le rang. Tu sais, il faut essayer de séduire. Ce n'est pas à eux autres à décider ça, c'est à nous autres de décider ça. Lui, ça serait sa 3e année, c'est pas sa 4e. Ben, si j'ai la Parce qu'il troisième, a commencé à relire. Ah, ça, je me rappelle, j'avais été le voir la première fois. Moi, je suis certain que c'est la troisième, là. Pour sa troisième, parce qu'elle est rosée. S'il a commencé à relire, c'est parce que moi, j'étais sûr qu'il a commencé à relire. Il y a l'année qui vient, là. Mais s'il a commencé à relire, un, Un, deux, deux. trois, ça sera la 4e année. Puis moi, je dis que pour 3, je suis certain, ça peut arriver sur le 4. Proposeur?
Question supplémentaire, est-ce que c'est correct qu'on ait le travail, là? Tu sais, reprenez la carte, là. C'est à lui que tu fais ça. Et, fait que lui, on lui donne ça, il part, il s'en va. Jamais que pour lui. Puis en même temps, la police municipale doit être au courant de qu'est-ce que nous, on veut. Un beau genre pour Bonjour. Monsieur Nadeau, je vais vous demander. Salut. Oui. Monsieur Boivin, c'est beau. Travaux de nivelage, même principe. Ça, on le verra, là, si on a fait une gratte, on verra peut-être à mesure que ça se passe. Pour un niveleux champion 740, Monsieur Pouliot d'Armo, 180 pièces de l'heure. Proposeur, question. Une question. Proposeur. Monsieur Tanguy, oui. Secondé. Monsieur Wall. Oui. Mandat d'asphalte sur le dépôt. Ça, bien sûr, on va le reporter. On va le reporter? Ouais, je sais pas si c'est des informations pour OK. Voilà. Ouais. On est de plus en plus compliqué vers les dates. OK. Parfait. Fait que ça, ça arrive. Parfait. Préparation de bonne fontaine. Ça s'est fait ce matin, 7h30, à midi pile. Il avait fini. Honnêtement, les gars compétents. Je pense que notre employé municipal n'a pas appris. J'ai allé 15-20 minutes, moi, là, puis on a appris tout beaucoup, là, mais du monde compétent qui savent qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, bel job bien fait, parce qu'on. Ouais, OK. Moi, ça n'a pas l'air très nu, tu sais. Non, ça l'a bien, Ouais. bien grouillé, puis il montre comment c'est fait une bonne fontaine, puis c'est pas la fin du monde, c'est juste quand tu sais pas comment c'est fait. Mais là, c'est très, Dave a très bien compris comment c'est fait, puis je suis pas vite fait, c'est facile à comprendre. C'est juste qu'il apprend des outils pour être capable de le faire. Fait que peut-être venir avec des outils qu'on devrait acheter pour être capable de nous-mêmes les entretenir, là. Et c'est de tête qui coule, là, depuis 3, 4, 5 ans, là. Je pense que j'aurais été capable de le faire, mais je suis à fond de le reçu. Très, une belle job, puis on voit la facture. La facture, parce qu'il y aura des pièces. Il y aura une pièce à Saint-Paul, le tour est dur. Pour ceux qui s'en vont, les pièces. Ça, c'était de l'information, puisque la facture, on va le voir, le mandat a été donné. C'est bon. Recommandation d'entretien des ponts municipaux. Madame Sylvie Norval, il y avait quelque chose de spécial là-dessus? Je vous Avez l'annexe V où les recoupements les interventions à faire cette année. L'annexe B. L'annexe B. Elle en est toujours là. L'annexe B, tout ça. OK. Troisième rang, Radoulin. Sixième rang, Gabriel. Ouais, mais ça, c'est des fonds. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est marqué dessus. Entretien préventif. Nettoyer le dessus, 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 balayer le dossier, nettoyer les drains. Troisième rang, rendu au moulin. OK, donc je suis sûr qu'on a fait. Seul balayage, on parlait avec Dave ce matin, justement. C'est quoi ton programme aller faire? C'est Ouais, je vous ai mis une photo, là, parce qu'il y a un petit peu de gravier qui va sur le pont. Je suis pas. C'est bon. Suivi avec l'atelier de voirie. Au potable. Moi, qu'il y a autre chose dans ton public. Il n'y a pas de fond nulle part, tout est beau. Les routes vont bien. Au point 10. Au potable. Suivi des résultats de balancement hydraulique. Balancement hydraulique. On a une facture à payer. Ça l'emmène à. On est à 90 % à peu près, environ. Oui. Un montant de 10 175 et 25, c'est 90 %. On se garde une réserve de 3 391 et 76 parce que le contrôle n'est pas fini. Ils vont nous revenir avec une proposition parce qu'on a demandé. Ils ont toutes les données à la main, ils ont toutes les pressions des bonnes fontaines et tout. On a demandé d'avoir une précision dans un secteur précis. Ils vont nous revenir avec un mandat. Combien ça coûte?
Ça coûte, je pense pas que ça va. Ils ont donné des mains, c'est quelque chose qui coûtera pas cher, puis je pense que ça va être bien pour le reste. On va avoir la paix pour le reste du réseau au complet. Fait que là, est-ce qu'il y a un proposeur pour le 10 000, parce que la facture est entrée, 10 175 et 29 avec taxes? Question? Non. Proposeur? Okay. Monsieur Tanguay, moi. Facture de ciment, C'était ça. l'EWS, excusez, C'était ça. w, mais c'est pas ciment, C'est ciment. c'est WSP, ou c'est WSP puis c'est ciment? WSP, c'est l'eau potable. Ciment, c'est le balancement. Facture de ciment, ok, c'est bon, excusez, c'est moi qui ai sauté, j'ai sauté, excusez, c'est moi qui ai sauté le bois. Indemnification du contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de la conduite du réseau d'aqueduc route 216-S. On a posé des questions depuis l'année passée. Là, on a des prix. Le contrat. Hugo Missionnaire, c'est ça? Hein? Monsieur Gilles Audet d'Excavation Incorporée, 545 304 $ et 58. Conforme, vérifié par les ingénieurs. C'est bien ça? Question? Proposeur? Là, les travaux, on n'a pas de date encore. Non. Ça devrait être Oui, accepté. les contrats, les travaux, c'est ça. Le contrat, là, je te dis le 11 octobre. Je sais plus si c'est le 11, non? C'est le 11 ou le 15 octobre. De toute façon, la Il y a une soumission. date. Il faut que les travaux soient faits. C'est ça ne peut pas dépasser. C'est ça. La soumission est bonne pour 90 jours. Fait que là, Est la nous. bonne pour 90 jours. Fait que nous, on est conforme. La soumission est conforme. Alors qu'il est là, tout est conforme. On donne le contrat ce soir. Il y a 145 000 pour refaire ce bout-là. Puis, il faut que ce soit fait. Je dis le 11 ou le 15, là, mais c'est octobre 2024. Il faut que les travaux soient faits. Et ça va? Oui. Autre question? Non. Autre question? Adjudication pour le mandat de surveillance de ce chantier. Je vous aussi. Ah, bon, bon, non. Bon, bon. Monsieur Nadeau, secondé. Monsieur Boivin? Oui. Justification du mandat de surveillance pour l'exécution des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc route 216. Pour ces mêmes travaux-là, on a une grande firme pour surveiller les travaux. Les contrôles ont été ouverts ce matin. Est-ce qu'on sait s'ils sont conformes? Est-ce Oui, son conforme. qu'ils sont conformes? Parfait. Stantec, 72 000, 175 et 56, le plus bas soumissionnaire, additionné aux 545 000. Question? Proposeur? Monsieur Boivin, secondé? Second. Monsieur Tanguay. Demande de branchement aux élections municipales. Je demande une nouvelle entrée pour le 468 au 283 sud de Saint-Paul-de-Montigny. J'ai été informé des coûts de partage avec la municipalité pour le forage sur la route afin de me desservir. J'ai en main tous les permis de construction délivrés par Mme Valérie Gagné. Ouais. Question? Commentaire, vous autres? Moi, je vais répondre à monsieur. Ben, moi. La municipalité va répondre à monsieur que nous, selon la loi et le règlement, il faut fournir 40 livres de pression à l'entrée. Si on n'est pas sûr, puis on n'est pas garanti qu'on va être capable de fournir 40 livres de pression à l'entrée de sa maison, on annule, on y va pas. C'est une obligation, c'est une formalité de l'environnement. Si on n'est pas capable, la municipalité, de fournir 40 livres, on ne perçoit pas. Puis même s'il veut payer au complet, on ne perçoit pas. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé, que peut-être que la loi, ou elle a changé, ou ben non, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas au courant de la loi, mais aujourd'hui, la loi, c'est confirmé, officiel, par écrit, que si on ne fournit pas 40 livres, on ne fournit pas les. Moi, j'aimerais que vous lui répondiez à ça. Si lui nous dit qu'il est sûr qu'il va avoir 40 livres, puis que moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si tu pars, si on part, puis qu'on n'a pas 40 livres à l'autre bout, ben, tu faut payer au complet. C'est qui va décider quoi, là? Vous autres, vous voyez ça quand même? Est-ce que tu veux l'avoir avant? Ben, c'est parce qu'il y avait, mais c'est qu'on ne peut pas être sûr de l'avoir avant. Il y a des choses qui ont été faites. Puis qu'aujourd'hui, ça marche plus.
Bon, je n'ai pas de mots, j'ai pas plaisir d'y fournir l'eau, ça me fait plaisir, pas de trouble. C'est juste une question de contamination. C'est que si la pression est en bas de 40 livres, la journée que l'eau baisse parce qu'il y a un incendie, ou alors qu'il y a une panne d'électricité, puis tout ça, ben, l'eau qui revient peut contaminer un réseau complet, puis être dangereux pour la population complète de Montréal et de Toronto. Ça, c'est une directive du ministère de l'Environnement. C'est peut-être exagéré pour certains. Des fois, on trouve ça un dossier exagéré, mais quand on y réfléchit, ben, on dit finalement que là, nous, on ne peut pas aller là. On ne peut pas y aller si on n'a pas la confirmation. Que si on veut prendre des tests de pression, puis quelqu'un qui veut en prendre des tests de pression, ben, on les prendra. Mais s'il va aller plus loin, je lui répondrai ça. S'il va aller plus loin dans les marches, bon, il n'y aura plus loin dans les marches. Ça marche? Au potable, est-ce qu'il y a autre chose? Porter le dossier des réparations de la route 216. Sinon, on va envoyer des invitations pour voir. Il nous reste ça à finaliser. Dans le fond, le dossier, en le confirmant au contracteur, à soir, on revient à 216, en confirmant à soir au contracteur qu'il y a le contrat, on a le contrat de surveillance. Là, il nous reste à envoyer le contrat pour celui-là, la compaction, puis les surveillances qu'eux autres vont avoir besoin. Ça nous prend une autre firme qui est là. Ça va s'additionner aux 545, plus que ce sont des 12, plus. Il faudra un contrat aussi pour l'accompagnement pour finaliser le dossier. Ça, Ouais. normalement, c'est la firme qui fait le plan de vie. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, ils vont reparler pour vérifier la vérification de l'autre qui a vérifié. Ça, C'est ça. c'est payé par la tech aussi en passant. Ouais. Merci. C'est payé par. Payé finalement par nous autres. Sur une invitation officielle, vous pouvez avoir droit. Oui, ouais, il faut l'envoyer. Je vais finaliser cet après-midi. Faut l'envoyer public, hein, c'est bien ça? Non, j'ai invité Ah! quatre firmes sur invitation. OK. Puis ça tombe en haut. Ah, ben non, c'est en haut. C'est en, ça peut pas être en haut de 100 000, là, ça se peut pas, là. OK, c'est beau. Je pensais parce qu'il y avait le 25 000 dans le temps, c'est bon. Fait qu'il va nous rester une autre résolution. Mais normalement, le dossier c'est en ligne. Fait qu'eux autres, le contracteur va être capable de gérer son horaire pour l'été. Il faut que ça soit fait pour le mois d'octobre. Autre question dans l'eau potable? Eau usée, suivi de préparation des pentes. Ce que j'ai compris, c'est que la pente de la PP3, la pente 1 de la PP3, moi, je m'appelle la pente du côté nord. Oui, c'est ça. Ça fonctionne pas. Que là, on a eu des factures de Holland dans le dernier mois qu'on a un petit peu contesté, qu'on a dit un instant, fait que là, on va communiquer quelque chose. Bien sûr. La communication est prête. Ils vont venir poser l'autre pied. Quand vous parlez poser, c'est-tu poser comme ça ou alors Installer. poser Installer. installé? Okay. Non, mais ils vont venir installer la nouvelle parce qu'il y en a une autre. Je suis sûr que la 1, c'est celle-là du Nord, je suis sûr qu'elle est là. Ça veut dire qu'ils vont venir la changer, mais ils vont venir revoir parce que là, ils ont des problèmes avec la compagnie. La compagnie qui les fabrique, ils ne disent pas le même langage que ceux-là qui les installent, puis ils ne disent pas le même langage que nous autres, on parle. Fait que là, ça dure depuis l'automne passé. Mais là, les factures qui vont revenir, on va les tenir en suspens. C'est bon. Ça, c'est comme les eaux. Le sulfate ferrique est bien installé alors qu'il est là. Loisir, suivi des travaux de réfection de la patinoire.
On a donné l'OK, là. C'est dans le fond, la balle est dans le camp de la compagnie qu'on paye. Ils vont nous appeler, ils vont nous confirmer d'avance pour venir installer la patinoire quand ils vont être disponibles. Les bandes, je veux dire, oui. Il reste l'éclair. Ouais. Je pense qu'ils sont venus voir aujourd'hui. Ça, l'éclairage, ça, c'était la compagnie de la région. Ils venaient voir pour faire une soumission. Qu'est-ce que ça coûterait pour aligner l'éclairage de la patinoire en neuf avec Didel et l'éclairage, justement, de la descente en même temps. On va faire un éclairage au complet. C'est bien ça, hein? 10 lumières. OK. Bon. Ça, c'est pareil. Le suivi de la patinoire. Lumière et bande. Ça, le suivi, ça l'avance. Normalement, ça devrait s'installer les prochaines semaines, les prochains mois. Question? 12.2, engagement de trois monitrices pour le terrain de jeu. Est-ce que les rencontres ont été faites? Est-ce que c'est redit, c'est clair, ça? On n'a pas suivi ça. Oui, on a passé les candidates en entrevue, puis l'engagement, il reste à passer officiellement. Il y a des candidats qui ont été retenus. Beaux-Arts? Monsieur Tanguay, Monsieur Boivin. Monsieur Boivin qui s'abstient. C'est bon, 12.3, résolution pour le dépôt de la demande financière. Bon, c'est ça. 3 125 pour obtenir une somme de 2 500 sur 2 ans du volet 3. Ce financement servira à réaliser et à participer des activités éducatives pour les jeunes, ou encore à se procurer du matériel éducatif pour les moniteurs ou monitrices pour l'utiliser quotidiennement avec les jeunes. Le projet sera soumis à l'analyse du comité volet 3 qui se tiendra à la fin mai. Dans ce cas, je vous envoie les résolutions qui seront adoptées la séance du mois de mai. Là. Ça fait que dans le fond, c'est une demande de subvention de 3 100 pour obtenir une somme de 2 500 pour acheter des équipements pour les jeunes. Question? Non. Pas Bonjour. Monsieur Boivin, secondé. Un second. Parfait. Dossier 4. Demande d'emploi Québec. Demande d'emploi été Québec. Demande d'emploi été Non, Canada. c'est annulé, c'est ça devrait pas être Ça ne devrait pas être là, hein? Ouais, c'est ça. Et bon. Parfait. Dossier 4. Plan action à venir et développement de la municipalité. Plan stratégique. Planification stratégique. Je vais passer les points, puis je vais mettre planification stratégique à la fin de ce point. Planification stratégique. C'est beau. Suivi des comités de communication. On n'a pas eu de rencontre dernièrement. Ça va aller, mais c'est pour ça un peu l'été, donc puis on va commencer. Parfait. En bénissement. J'ai relancé ma fond pour les soumissions que j'avais faites pour le pari, dans le fond, du pavillon 150e. Il y en a un qui n'aura pas le temps, ça allait fin octobre pour qu'il puisse venir, puis l'autre, il ne me retourne pas d'appel, rien. Fait qu'au final, j'ai juste soumissionné. C'est tout. Est-ce que là, ça a besoin vraiment, obligatoirement, d'être fait cette année? Je pose des questions. Ça va chuter pile l'année prochaine. Comment? Ça va chuter pile l'année prochaine. Ben, c'est clair. Il n'y a pas les marches. Je vais taper en haut, où les marches, justement, tout le matériel, si tu veux le taper, dans le fond, t'as fini de s'en aller. Oh! Ouais, OK, je te dis que j'ai pas été. J'ai pas été, donc Oui. Comment? Puis celui-là qui a soumissionné, il est au courant de ça, là, il n'y a rien pas il est venu voir, il est venu constater, parce que quand il est resté surpris, quand j'ai dit le nombre de pieds carrés, puis il y avait aussi les joints des pavés, et qu'il trouvait que le projet était grand, puis il est venu constater l'état du projet sur place. OK. On va t'envoyer un peu. Il était toujours venu. Les deux autres, j'attendais pour avoir un 8 000. opératif. 8 000 quelques. C'est une. Moi, j'ai pas dit, j'ai pas suivi. Est-ce que. Non, on va en sortir deuxième, deux fois. Après ça, on va prendre le temps.
Ben, c'est parce que je fais ça. Je crois que c'est Radio Mont d'Octobre, le gars. Mais non, mais celle-là. Ben, ça, c'est lui, le dernier, mais l'autre, il avait été capable de faire début d'été. Comme je disais, j'aimais mieux avoir d'autres solutions, avoir. Pour parler ni plus. C'est ça. Ben, moi, je pense qu'il faut le faire, on va le faire. Il faut le faire, mais je suis capable d'avoir les mêmes prix. Sinon, la situation, on a des problèmes, par exemple. Ben, là, si ça se met dans le rue, si c'est dans le rue, si ça se met dans le dessous, ben, c'est parce que là, il lève tout, là. Ben, c'est aussi qu'il y a une craque, ça, l'eau, s'infiltre par là, puis c'est le matériel en dessous qui part. Ben, je pensais au fil, même, c'est la première compagnie. Je pensais d'avoir moins. Ouais, mais c'est parce que le plus qu'on avance, là, pire, c'est. C'est sûr que ça, on peut le passer dans le spécial. Peut-être ça redonne une semaine ou. Si on n'a pas d'autres développements, ben on planche. Ouais, si on ferme le parc, c'est pas pour nous. Non. Ben, c'est ça. Ou la descente qui met plus à risque. Ouais, c'est sûr. Ou ça approche en premier. Faut qu'il y ait une élection. Sûr qu'avoir des beaux décors et des belles emplacements, ça a des coûts, alors. 2018. 2018. Ouais, tu vas laisser facile quand même. Pour faire six ans à l'été. Puis il n'y a pas eu d'entretien plus que ça. Il y a eu un entretien avec une garde et tout ça, mais il n'y a pas eu plus que ça avec une garde. Moi, si vous décidez de le voter à soi, pas tôt, mais d'abord, vous me dites que c'est comme correct, ou bien non, vous dites que vous le voterez la semaine prochaine. Oui. Vous avez un spécial. Ok. À vérifier. Eh bien. C'est beau. Développement résidentiel. Développement résidentiel, il faudra peut-être vérifier. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est lancé. Nous, on a encore nos quatre terrains. La municipalité a acheté, surtout pour avant. Passez le message. Il y a des personnes que vous connaissez qui sont intéressées d'acheter des terrains. Il faudra peut-être vérifier sur le site de la MRC. Le prix est pour nous. Juste vérifier, voir si c'est. Qui a fait, puis où c'est. Parce que dans le fond, quand on met pas de prix, ça, finalement, il part au chemin du monde des villes. C'est drôle. Puis sinon, ben là, avec le développement hydraulique qu'on a parlé tantôt, on attend une réponse aussi. Puis là, le développement hydraulique, ils vont le travailler par ordinateur, par nivellement. Plus que tu montes, moins que tu as de pression, moins que tu as de pression, mais je veux savoir jusqu'où on a de la pression. Fait que le OK pour le développement au sud de la 4e avenue, va se concrétiser quand on voit cette réponse-là. Il nous manque cette réponse-là. Okay. On a des réponses qui nous. Bon, je veux dire, qui nous satisfait ou qui ne nous satisfait pas. Là. On a des réponses qui nous confirment que c'est plus difficile de développer résidentiel jusqu'au sud de la 4e avenue. Et là, on va avoir la confirmation officielle. Puis après ça, s'il y a du monde qui est intéressé d'avoir des questions, s'ils ont des questions, ben, on n'importe. Il n'y a pas de problème, vous viendrez les voir à la municipalité, les plans sont aussi, même à l'heure qu'il est là, les plans ne sont pas cachés, on a des informations qu'on a, mais on va aller encore plus loin que ça pour finaliser le dossier qui soit fait de la 4e avenue à la 216 SOS. Annulation du parc du 150e, ça c'est Jean-François qui est là et qui n'est pas là. C'est lui qui s'en occupe. Vous autres, avez-vous des commentaires? Non, parfait. 13.2, suivi de la rencontre du 19 avril, justement, planification stratégique. Avez-vous des commentaires sur la rencontre qu'il y a eu vendredi 19 avril? Ben, ça s'est bien déroulé jusqu'à la période des questions. Okay. La période des questions, ben, ça a été mobilisé par les gens qui parlaient juste du projet éolien. Donc, on n'a pas pu traiter les autres points. Malheureusement, on n'a pas pu traiter des autres points, fait que. Il y en aura d'autres encore, les éoliennes, là. Ces gens-là se prononceront là. J'ai été déçu, honnêtement, parce que tout le travail qu'on avait fait, là, on n'a pas pu essayer de compléter d'autres choses, à cause de ça. C'est sûr qu'il faut écouter les gens, ils ont des préoccupations pour les projets, mais étant donné que ce n'était pas le thème de la réunion, j'aurais aimé ça qu'ils respectent ça, puis qu'on s'en tienne à l'autre jour. Je vais me permettre d'avouer que je suis du même avec toi, Guy, là. Ça a été très décevant de ne pas être capable
pour remercier et de souligner le travail de 3 ans d'ouvrage pour faire la planification très stratégique de la municipalité. Ça a été très décevant, mais c'est comme ça. On va l'accepter comme ça. Vous avez le droit de parole, vous avez le droit à vos opinions. On va les prendre, on va les accepter. Je ne parlerai pas de manque de respect, mais c'était pas loin de ça. Au point 14, résolution diverse. Autorisation, centre d'entente familiale de la MRC et de l'OBC à procéder aux des travaux d'insonorisation dans les locaux en haut. Fait que dans le fond, ce que moi j'ai compris, c'est que les personnes fourniraient le matériel et la municipalité fournirait la main-d'œuvre pour insonoriser, parce que c'est des murs de... C'est ce que je dis, mais... C'est des murs de quelques années, là. C'est sûr que quand on parle d'un côté puis qu'on parle de l'autre, fait que le centre d'entraide va fournir... Vous avez lu l'article? Vous l'avez? Question? C'est bien écrit en bas, là. Je tiens à préciser, là, l'envoi du 7 mai 2024 à 14h54. C'est écrit en bas. Je peux aussi en discuter directement avec Dave si nécessaire pour aucune considération. Ça marche? Donc, on dit oui, qui amène les matériaux. Puis nous, on va gérer l'employé municipal parce que l'employé municipal. C'est bien compris. Le proposeur? Proposé. Monsieur Boivin, secondé? Monsieur Gros. Monsieur Tanguy? Oui. 14-2. Autorisation pour le goût de l'entrée aux 4 terrains pour vente que la municipalité possède dans les deux enseignes, ainsi que les travaux de préparation pour leur branchement aux yeux de la caduc municipale. Ça, c'est pas ça. Ça, okay. Est-ce que, dans le fond, dans la question, c'est est-ce qu'on fait les 4 entrées et les 4 entrées d'eau sur les 4 terrains? C'est ça la question? Est-ce que faut faire d'avance une demande de permis? Au ministère des Transports. Au ministère des Transports. Est-ce qu'on les fait les 4 tout de suite? Ben non, si on en fait 2 avec 2 entrées. Puis après, on verra la suite ou bien si on les fait tous les 4. Moi, je fais tous les 4 parce que. Changeux comme on est, on va faire 2 entrées, puis l'autre va nous dire c'est pas le terrain-là que je veux, c'est lui. D'accord. Tu mets les frais de suite, les 4, pour venir le matériel. Ça, les entrées d'eau, ça va être une valve pour 2 maisons ou non? Ça va être une valve pour 2 maisons. Ça, je dis 2 entrées, on fait sortir, tant qu'à creuser, on fait sortir les 2 valves à l'eau. On sait qu'on va partir au centre dessus les 2. 2 entrées, 2 valves à l'eau pour sortir les 2 terrains. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pas bon ça? Pas bon. Monsieur Boivin, secondé. Non, second. Monsieur Tanguy? Oui. Honoraire pour le mandat de Mme France Thibault, qui nous suit dans le dossier de la route 216, qui nous suit, excusez, dans les certains autres dossiers de balancement hydraulique, entre autres, puis certains autres dossiers où est-ce qu'on la paye à l'heure? Puis encore, oui, je pense que personnellement, on peut pas, nous autres, on peut pas toutes les savoir, toutes les règlements, toutes les lois, là. Je pense qu'elle a fait un bon travail, puis elle est comme une bonne associée, là. Là, on paye un ingénieur pour surveiller l'ingénieur. Ça me gosse, mais, question? De toute façon, nous promouvons un peu comme l'an passé. 150 $ en 3 heures pour 5 000 $. Puis à toutes les 5 000, il faut qu'elle renouvelle le mandat. Fait qu'on, bon, c'est pas un contrat à clair, vas-y à l'année. C'est un contrat comme ça. Question? Monsieur Nadeau, secondé? Monsieur Boivin. Oui. Demande. Déposé par Pascal Giroux, entreprise Pascal Giroux. Oui, ça, c'est pour certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une gravière. 2,5 hectares. À Saint-Paul. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai compris de ça, ce que je comprends de ça, c'est quand tu ouvres une nouvelle gravière, il faut que tu demandes un permis à l'environnement. Puis, la municipalité, il faut qu'elle dise oui ou un autre dise non. Est-ce que vous avez des objections ou si vous avez des questions?
On n'est pas encore. C'est pas bon là. On va proposer. Monsieur Boivin, c'est bon, Dick. Salut. Monsieur Tanguy. Ouais. Lotissement du lot 5 761 408 en trois nouveaux lots incluant l'ouverture d'une nouvelle rue privée. OK, ça, c'est le dossier qui est posé à CCU. C'est petit? C'est ça. Ouais. Hein? C'est ça, hein? Oui. Dossier qui est posé à CCU. Président de la CCU. Bon, c'était pour la. C'est pour le chemin privé, hein? C'est ça, pour l'ouverture d'un chemin privé pour éventuellement sur. Ils vont partir des chalets. Fait que nous autres, ce qu'il y avait là-dessus, c'était. Qui était important, c'était la vitrée. Pour les camions différents. C'est qu'on voulait être sûr qu'il y ait une au bout du chemin. Puis, pour le reste, tout était légal, tout était conforme. Donc, il y a comme trois modèles de virée qu'ils pouvaient choisir. Le choix était fait, tout était correct. Mais, fait que nous autres, là, c'est eux, on a dit qu'on. On suggère au conseil que c'est correct. Ben, on a des ben, moi, la question, c'est, demande de lotissement du lot 5 761 408. C'est pas ce que vélo, là. Ça se peut-il? Ça, c'est le plan? 5 761 408. C'est le plan original qui est transformé en numéro de l'eau. OK. Si j'ai géant 6 505 à 507. Okay. Si c'est correct, parce que là, c'est sûr. Ça, c'est. OK, je comprends, excusez. Le lot, c'est 5 761 408, mais il le divise en trois. Fait que là, ils sont rendus à 6 620 507 505 506. C'est bon. Il y avait une largeur, mais respecter la largeur, il y avait pas bon là. Y a-t-il des questions? Non. Pas bon là. Pas bon. Monsieur Tanguay, secondé. Monsieur Bois. Demande de soutien financier pour relais. Bon, venez. On le donnait à tous les autres années? L'année passée, vous aviez donné 100 $. Est-ce qu'il y a une proposition différente ou si on le refait? On vous rend compte 100 $. Monsieur Boivin, propose 100. Seconde 2. D'accord. Demande de commandite Gala Méritas 2024 à l'école secondaire de Saint-Paul. Ça, c'est le 7 juin. Je vais être là. Il demande une commandite toujours là. Je vais aller le redonner, c'est bien sûr, un peu comme les autres années, c'est là, c'est le même principe. Trois bourses de 50 $ chacun. Question, commentaire? Moi, je proposerais la même chose que rapport ça. Est-ce qu'il y a oui, ça non. Monsieur oui. Boivin, proposé par M. Nadeau, secondé par M. Boivin. FRR 2, habitation. 19 000. J'avais le montant tantôt. 19 320 $ qui reste dans le FRR 2. Dans le fond, pour faire une résolution pour dire que la municipalité ne se servira pas, si j'ai bien compris, madame Wick, ne se servira pas de ce montant-là. Et nous, on le laisse disponible pour que les habitations puissent s'en servir parce qu'ils ont des rénovations, ils ont des. Ils ont des investissements à faire. Fait que nous, on lui donne une chance pour que la bâtisse continue à fonctionner. Puis, de l'autre côté, ben, nous, on dit, ben, on s'en servira pas. C'est ce que je l'explique bien, c'est bien compris. Ouais. Pas bon d'art. Monsieur Boivin, sur Bordé. Favorable. Monsieur Nadeau. Oui. Fait, 14-8, 14-9. Commandite au Dieu de Montmagny. Je pense que c'est des commandites annuelles, hein. Est-ce qu'on a, savez-vous comment est-ce qu'on a donné les conseils ou ben non, c'est quoi là? Ils ont aussi des, je dirais des tranches, là? Est-ce que vous, qui est proposant pour dire qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on a donné les conseils? Parce qu'ils ont des, je me semble qu'il y a des tranches 150, 200 ou 250, 300, ou je sais pas trop. Ouais. Donc, M. Boisvert redonne ce qui a été demandé à l'imposé. Qu'est-ce ouais. qui a été donné à l'imposé?
Secondé. Deux secondes. Monsieur Tanguay. Oui. Plainte reçue. Oui, on a reçu des plaintes. On a reçu deux plaintes. Monsieur Tanguay. Monsieur Ladeau qui est d'accord. Pas grave, je vois, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Plainte reçue. Oui, on a reçu deux plaintes pour la même adresse, 329 4e Avenue. On en prend en considération. Je ne les lirai pas. On voit qu'il y a quelqu'un qui me demande dans la salle de les lire, tantôt, là, mais si personne ne me demande dans la salle de les lire. On a reçu deux plaintes. Ils vont être remis dans le dossier. Et ce dossier est de vous. Actif. Période de questions, messieurs? Période de questions de la salle? Oui. L'intervention, désolé, je n'étais pas là le 19 avril concernant l'intervention qui a été faite. C'est concernant le projet éolien. Question? Oui. Je dois faire un préambule avant d'arriver à la question. Malheureusement, ça va faire une petite affaire. Mais dans ce dossier-là, je prends constat, c'est qu'il y a des présentations qui sont faites par la firme Trougal. Mais il n'y a pas vraiment d'intervention faite par la MRC ou municipalité pour venir chercher de consultation auprès des citoyens. Et principalement auprès des citoyens qui sont impactés. La procédure, vous permettez, dans l'approche qui était faite. Regardez, monsieur, regardez. Sortez pour ça. Sortez, pas, sortez même pas ce soir, monsieur Fanon. Je vous arrête là, là. Ah. Vous avez déjà les communications qui va avoir une rencontre publique qui va vous allez les mettre vos photos. Ils vont leur mettre les photos. Il va y avoir un comité de liaison qui va être formé. C'est écrit sur le dans le dossier. C'est fait. C'est pas parce que je veux pas l'avoir. C'est qu'on recommencera pas la réunion du 19. Ça, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est clair. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce que je t'en prie à faire. Il va y avoir une rencontre. Vous êtes au courant? Oui. Non, mais monsieur, il y a une rencontre qui a été annulée. Non, ce que je veux vous sensibiliser, c'est qu'il y a une rencontre qui a été demandée par les gens qui sont impactés directement oui. par ce projet-là. Oui. Et cette rencontre-là a été refusée par Google. Non. Pour être reportée. Voilà. Pour elle n'a pas été refusée. Elle n'a pas été refusée. Elle a été refusée aux gens qui ont demandé la rencontre avec Google. Les gens qui sont impactés par ce projet-là. Google a refusé de faire ça avec ce groupe de personnes-là, impactées. Et là, il offre une présentation publique. Une autre présentation publique. Pour la noyer le poids. Alors, nous, je veux vous informer aujourd'hui, c'est que on a fait une demande à la MRC. Il y a une rencontre avec le conseil municipal de la MRC dans une réunion la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous êtes là. Non, je ne serai pas là. Bonne affaire. Bon, alors, vous auriez été venu au courant. Et l'idée, c'est qu'on veut justement qu'il y ait un comité qui soit formé, qui puisse travailler avec la MRC et la municipalité. Google, c'est le promoteur. Mais on doit être entendu, et là, je peux, vous allez voir, tout à l'heure, probablement, vous allez voir des sites là. Mais il y a un guide qui existe par les affaires municipales pour la façon qu'on peut intervenir pour implanter un projet éolien. Dans ce guide-là, il est clairement indiqué que si on veut avoir l'acceptabilité sociale, il y a une procédure à faire. On doit consulter les gens. Or, actuellement, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas de la consultation qui a été faite, c'était de la présentation. Sauf que l'image que j'ai là, c'est là pour vous dire que quand on nous dit que ça va être beau, ça va être ça, la seule façon de constater que ça a l'air, c'est quand on voit la photo. Et ça a été fait il n'y a pas longtemps. Ça a été demandé dernièrement. Et il n'y a aucune étude de fait actuellement pour dire que nous sommes dans un milieu d'abord. Nous sommes dans un milieu montagneux avec un lac. Ce n'est pas la même chose que quand c'était sur une plaine dans un champ. Alors, pour éviter d'être devant un projet qui est déjà cané, il est grand temps d'intervenir. Alors, la question, c'est la voici. Est-ce qu'on peut avoir l'appui de la municipalité dans ce dossier-là pour être partenaire avec nous sur un comité, avec quelqu'un de la MRC aussi, et cheminer
étroitement, éventuellement avec Fogal, évidemment, pour qu'on puisse établir où est-ce qu'ils sont les évitants et surtout être capable d'avoir des éventuelles possibilités différentes de ce qui est proposé présentement. Et non pas d'arriver à la dernière minute et dire que c'est trop tard, puis, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Est-ce qu'on peut avoir un appui? Ça donne la question. Est-ce qu'on peut compter sur l'appui de la municipalité? Est-ce qu'on peut avoir un représentant de la municipalité? Tout ça comme ça. C'est ma question. OK. Donc, votre question, oui, il y aura. Parce que je l'ai dit. Je l'ai dit 19, puis je n'ai pas là, malheureusement. Non. Je suis certain qu'il y a personne qui l'a compris 19, de toute façon. Parce que de autant d'un côté comme de l'autre, il va falloir que tout le monde ait une ouverture de compréhension aussi, en quelque part. Parce que le comité de liaison, là, il est écrit, puis il va y avoir un comité de liaison. Il n'y aura pas 50 personnes sur le comité de liaison. C'est pas ce que je viens de vous dire. Non, mais justement, mais le comité de liaison, là, il est là, il est dans le contrôle. Il est dans le contrôle de Kruger quand on l'a signé. Il y a un comité de liaison. À quel moment, monsieur le maire? Justement. De toute façon, à l'heure qui est là, si je vous pose la question, est-ce que le dossier avec Hydro-Québec est réglé? Non, mais c'est en réseau. On ne sait même pas si le projet va se faire. À partir du moment où ce que le projet se fait, le comité de liaison va se créer. Non, il est trop tard. C'est en aval. Vous regarderez le document que vous allez recevoir par la MRC. La façon de procéder, puis c'est qu'on procède avant les études. Donc, la consultation doit se faire avant, surtout quand on constate. Le BAP, c'est la consultation, c'est pour le mois de septembre. Non, c'est pas ça qu'on demande. Mais vous avez probablement raison, puis nous autres, on ne suit pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Vous avez probablement raison, puis vous avez raison de vous inquiéter, je suis 100% d'accord avec vous autres. C'est le rôle d'une municipalité d'abord d'appuyer ses citoyens, mais protéger quand ça n'a pas de bon sens, et la MRC aussi. Parce qu'on paye des taxes, il y a des élus, peut-être nous représenter. Puis, vous savez qu'on est de bonne foi, on a déjà traité des dossiers ensemble, on est respectueux, on va être entendu, puis on va être capable d'échanger correctement dans tout ça, trouver des alternatives. On est prêt à trouver des alternatives, mais il faut pour ça qu'on puisse être consulté. Alors, c'est le message. En fait, est-ce que je peux vous offrir une question? Ça veut dire ça. Qu'est-ce que vous répondez à celui qui n'en veut pas de progrès en tout? Parce qu'il y a du monde qui n'en veut pas de progrès. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, M. Côté, je vais vous l'apprendre, mais à un certain moment donné, tu as arrêté le projet complet. Je veux dire, moi, j'ai répondu le 19. Là. Dommage, le progrès, il va avancer. On va essayer de le faire respectueusement de l'environnement et des citoyens et de fonctionner ensemble. Et vous revenez avec la même question soir que vous avez posée 3-4 fois cet après-midi, que vous avez posé, il a été posé 4 fois le 19. On veut votre appui, puis confirmez-nous qu'on vous appuie. Mais non. On va travailler ensemble. Mais... Est-ce que ce projet-là fonctionne, puis fonctionne bien pour la municipalité? Moi, c'est la réponse que je vais vous donner. D'accord, mais pour ça, il faut procéder prochainement avant le retour de vacances. Ça fait ça. C'est un état, parce que quand on va être rendu à l'automne, on va être rendu que on va creuser. C'est comme en des éoliennes, ça pèse, ça va pousser. Hein? On va être trop tard. Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant que EDF qui ont un an d'avance chez nous autres, les éoliennes, c'est pas comment en encore? Bon. C'est ça. Soyons d'avance. Soyons d'avance. Je suis bien d'accord avec vous autres. Puis moi, je suis pas contre. Je vous reviens sur la question du 19. C'est un petit peu insultant pour le monde qui avait travaillé. Vous allez dire c'est correct, on le passe. On le passe le 19. Là. Mais il y en a qui ont resté la. Ils ont resté amers, hein, mettons poliment, là, ils ont resté amers de cette rencontre-là. Ouais. Non, mais un instant, vous venez poser des questions, vous venez les poser bonne place. C'est correct, là. Puis moi, je répète ce que j'ai dit, puis on va travailler ensemble pour le faire avancer, ce dossier-là, qui avance à la bonne place, puis qu'il n'y ait personne qui soit brimé. Mais ceux-là, dites tout de suite à votre monde qui sont dans l'arrière, qu'ils ne veulent pas de progrès, qu'ils n'en veulent pas pantoute, que là, l'heure qui est là, on n'est pas là. Moi, je le dis tout de suite, là. On n'est pas là. C'est bon. Je ne suis pas convaincu ça. Juste un petit commentaire sur le 19, là. Je n'étais pas là. Mais moi, quand j'ai vu cette question stratégique, si on ne parle pas de dossier lié dans la question stratégique par ailleurs, là, je ne sais pas ce qui s'est dit à la période de questions, semble-t-il, mais il me semble que dans la question stratégique de la municipalité,
dossier relié, c'est un projet majeur. Il y a un impact. Là, il doit y avoir quelque chose à planifier avec ça. Fait que, dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être important ou opportun au moins de parler du projet relié. Mais je ne sais pas après comment ça peut évoluer. Je ne sais pas. En vos commentaires, parce que de la façon dont vous avez vécu, c'est correct. Mais je ne peux pas commenter. Parfait. Alors, merci de merci. Merci de votre appui. Autre? Oui, M. Baudet? Moi, j'étais dans le lieu là. Et je vous dirais qu'en toute bonne foi, quand on s'est présenté là, on savait que c'était la planification stratégique. Mais moi, je ne pensais pas, puis plusieurs ne pensaient pas non plus, que c'était des rapports de comité pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé depuis 3 ans. Parce que c'était pas mal ça, la planification stratégique. C'était pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans. Et j'ai dit à cette réunion-là que j'étais très heureux de constater qu'il se passait beaucoup de choses au niveau de la planification stratégique. Mais nous, on pensait, comme Laurent vient de dire, que ça comprenait aussi les éoliennes, mais on n'en a pas parlé. Et quand j'ai fait mon intervention, je ne me doutais pas du tout parce qu'il n'y avait personne de concerté pour parler un après l'autre. On n'a pas dit, là, on va essayer de parler juste de ça, puis on va étouffer le reste de la planification stratégique. Il n'y a personne qui a dit ça. Personne ne pensait ça non plus. C'était vraiment de bonne foi. Et il ne s'est pas glissé d'autres questions par rapport à la planification stratégique qui a été présentée par vous et vos conseillers. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a eu un rapport, les gens ont applaudi parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne job qui avait été faite. Et je l'ai souligné d'ailleurs. Excepté que quand on regarde la discussion au niveau, je reviens à la question de ceux qui n'en veulent pas. Moi, je suis en contact avec les gens des autres lacs et plusieurs personnes qui sont. Aujourd'hui, j'en ai vu, j'en vois tout le temps, on se communique parce qu'on travaille ensemble pour éviter que le projet ne soit pas un projet correct pour ceux qui sont impactés. Mais je n'entends pas et je peux vous dire que moi, ce que je sais, à moins qu'il sorte un lapin d'un chapeau quelque part, on n'a pas l'intention, personne ne me dit qu'il y avait l'intention de bloquer ce projet-là et qu'il n'y ait pas de projet. Les discussions qu'on a eues encore après-midi avec la MRC, c'est dans le sens qu'on veut s'assurer que le projet soit correct et que les éoliennes soient placées à une distance telle qu'on ne les entendra pas parce que, par rapport au lac. Parce que quand j'ai fait sortir des études au niveau de la propagation du son, et puis quand on est tout près d'un lac ou tout près d'une montagne, le son se propage vraiment beaucoup plus que sur la terre ferme, sur le plat, quelque chose comme ça. Parce que même nous, si j'entends le feu l'été dans les foyers extérieurs crépiter l'autre bord du lac, de mon chalet, à 300 mètres, quand il est l'épinette sec. C'est pour vous dire que le son se propage et on sait que l'éolienne, la photo que Laurent a, c'est une éolienne qui est 350 mètres au-dessus du lac. Monsieur Côté. C'est juste dans ce sens-là. Non, mais Monsieur Côté, là, les 350 mètres, les 1,5 km, puis 1,2, ben, et vous allez avoir les réponses du monde. Moi, là, comment est-ce que vous me diriez ça? Pensez-vous que je suis capable d'évaluer ça? Pensez-vous que nous autres, on est capable d'évaluer ça? Non, 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 mais je vous parle de l'impact. C'est juste moi, je comprends bien. Non, mais ce que je veux dire, Monsieur le maire, c'est que, en tout respect, c'est tout simplement pour vous dire que nos arguments, on va les donner au comité qui va être probablement formé. Ce qu'on souhaite, c'est que la municipalité... Non, pas probablement formé. Qui va être formé. Non, non, je parle avec la MRC. On aura comité de liaison. Mais ça ne sera peut-être pas le comité de liaison que Kruger veut, mais ça va être un comité de travail pour essayer d'évaluer les problèmes. Il va y avoir un autre comité à part. Moi, je vous parle d'un comité de liaison. Il n'y aura pas 3 comités. Mais en tout cas, nous, on a fait une requête. Et puis, on verra ce qui suit. Mais ce qu'on veut, c'est que la municipalité travaille avec nous pour aménager le projet, pas le retirer. Aménager le projet pour que les gens impactés n'aient le moins possible d'impact négatif. C'est ça l'idée. Puis, vous ne m'entendrez jamais dire que ce projet-là, on n'en veut pas et qu'on veut qu'il s'en aille n'importe où sur la planète. On sait qu'il y a un projet. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Il y a eu des ententes avec l'Alliance de l'Est, il y a des discussions qui sont faites avec Kruger, il y a des contrats qui sont signés de quelque façon que ce soit, et on ne dit pas qu'il n'y aura pas de projet, mais on veut un projet responsable qui va respecter les gens de la municipalité, puis c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. C'est pas plus que ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire que vendredi soir, le 19, Kruger ne vous répondait pas à vos questions, puis il n'y avait pas de réponse, puis il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça? Vous souvenez-vous d'avoir entendu ça durant cette rencontre-là? Oui. Oui.
Ben, moi, je peux vous aller vous chercher la feuille dans mon bureau, là. Preuve écrite. Pas des blablas, là. Que le 18 avril, à 9h35, Kroger a invité, vous a invité, parce que moi, je n'ai pas qui parle, comment qui parle, là. Mais vous a invité à une rencontre pour vous informer puis de vous répondre à vos questions. Puis le 19 au soir, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Je vous dis qu'honnêtement, là, ça fait peur à la crédibilité pas mal. Pas mal peur à la crédibilité de ceux-là qui parlaient. Mais je ne suis pas au courant. Je vous le dis. Je ne suis pas au courant de ce que vous me dites là. Ben, voulez-vous la feuille, Mme Aubin, me faire la feuille, s'il vous plaît? Je vais la donner à monsieur. Monsieur le maire. S'il vous plaît. Non, regardez. On va régler des choses. Parce que quand vous nous dites des choses, puis que nous autres, finalement, on n'est pas au courant. Mais la veille, vous aviez la réponse de Kroger qui vous invitait à des rencontres, puis vous arrivez à nous dire le vendredi soir qu'il n'y avait pas de réponse, puis il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Tu dis là, le lendemain, moi, m'a dit, je peux vous dire que le lundi matin, je n'étais pas content. Pas en tout. Mais je vous suggère de nous présenter ça parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Allez, faites la veille, madame, s'il vous plaît. Mais, monsieur le maire, c'est parce qu'il y a deux lacs là-dedans, vous l'expliquez vite fait. Il y a deux lacs là-dedans, vous entendez pas des deux. Là, là, qui est là, vous voulez nous mettre que c'est nous autres qui vont prendre la décision. Non. On veut les premiers éoliens. Moi, je suis prêt à travailler avec vous autres, mais je peux vous dire que ce soir-là, je me suis mordu à la langue, j'ai fait attention à ce que je disais. Mais là, ce soir-là, on est en direct, c'est enregistré, c'est bien dommage. Ça a été très désagréable ce soir-là. Si vous êtes prêts et honnêtes, ben, on va travailler ensemble, puis on va faire avancer le dossier. Je vous l'ai dit tantôt, on a déjà travaillé ensemble. Oui. On va retravailler ensemble de la même façon. Si ça vous convient, si vous êtes. Ça, vous parlez au nom de qui, vous, là? Au nom des gens des lacs. Vous parlez au nom des gens des lacs? Oui, monsieur. Ah, ouais? Oui. OK. Oui, parce qu'on va avoir un comité. On est. Avez-vous un mandat pour parler au nom? Non, mais regardez, il y a une association qui est plus forte que vous, alors qu'il est là, parce que vous parlez tout seul, la soirée. Il y a une association du lac Jali, qui est une association. Oui. On a approuvé, on est un comité. OK, amenez-moi le papier écrit que vous avez approuvé la discussion qu'il y a à voir. Parce que là, alors qu'il est là, je vous le dis, là, moi, je trouve ça très désagréable, cette situation. Ben, moi aussi, je trouve désagréable. Très désagréable. Hey, c'est une période de questions. Je vais finir ce qu'on a à dire. Moi, je ne me suis pas vidé le cœur ce soir-là, mais lundi matin, je peux vous dire que quand la feuille qui va sortir tantôt, vous allez avoir dans les mains, là, je vais les trouver là, en tabarcelac. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait la réponse, qui était assis dans la salle. Puis finalement, le monde dans la salle n'était pas au courant. C'est drôle, hein? Puis elle était à l'association du lac Joly, la réponse, en passant. Là, M. le maire, ou bien on brasse tout. Oui, justement. Vous voulez travailler ensemble? On va travailler ensemble. Il va y avoir une rencontre. Il y a une rencontre demain, le 14, pour l'ensemble des propriétaires. Ce que j'ai compris. Il y en avait une le 13 qui a été annulée, il y en a une le 14, puis à moins qu'elle soit remise elle aussi, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ça, mais que Kroger va rencontrer les propriétaires. Puis il va y avoir une rencontre dans la semaine du 20, ou du 27, mais dans les prochaines semaines, très rapidement, il va y avoir une rencontre de la population au complet et de toutes vos questions techniques. Fait que le gars qui va parler de la tour Eiffel, puis le gars qui va parler de l'éolienne qui a 200 mètres ou 500 mètres, puis le gars qui va dire, comme vous avez dit, que toutes les fois que tu multiplies par deux ou par trois le son, moi, avec tout le respect que j'ai de vous, là, je trouve ça technique, mais posez-là les questions, puis vous allez avoir les rapports. Non, monsieur le maire, on ne sait pas la réponse de Kroger. On veut ensemble poser. Ben, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde qui va l'entendre, la réponse aussi. Oh, ouais, mais... Écoutez, là, comme vous le dites, Kroger, j'ai écrit à Kroger, j'ai eu des réponses. Puis écoute, ils savent, connaissent la chanson, faire de l'argent. Hein. Très bien. Ils ont toutes des réponses, c'est tout beau. Très bien. Il n'y aura pas de son, il n'y aura pas de ci. Ben, écoutez, là. Fait que nous, on veut s'entendre ensemble. On veut que vous soyez conscients de la problématique. On veut que vous la partagiez. Puis si vous êtes respectueux des citoyens, puis que vous comprenez que ce n'est pas exagéré, ce qui est demandé, qu'on trouve des alternatives, on travaille ensemble à ce moment-là. Et là, on pourra travailler avec Kroger. Vous répétez ce qu'on a dit le 19. Oui. Vous répétez exactement ce qu'on a dit le 19. Je vous dis que, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de la lettre que vous parlez. Moi, vous allez l'avoir. Moi non plus. Je n'ai jamais entendu parler de la lettre. Vous allez l'avoir, puis Christy, il faut que tu vous viennes à l'heure comme moi, mais à l'heure fouille. Vous faites une ça. Le 18 avril, à 9h35, dans l'avant-midi, Kroger écrivait à l'association du Lac Joly pour dire que si vous voulez une rencontre, on va en faire une, puis on va travailler, puis on va vous faire une rencontre avec vous autres. Puis le 19 au soir, il y a du monde qui dit que Kroger ne va pas en faire rien. Pour l'instant, puis on a parlé de communication,
Puis ouais, ça a été bien plus loin que ça. Là. On parlait de communication, puis du monde qui ne communique pas, puis qui ne règle pas des problèmes à la municipalité, puis qui ne font pas le job, c'est ci, c'est ça. Là. Ça a été très désagréable. Moi, je vous dis, le soir même, là, j'ai mangé mes mots, je l'ai laissé passer, là, mais le lundi matin, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Je ne suis pas encore plus aujourd'hui. On va attendre l'alerte, là, vous allez la voir. J'espère que vous êtes content au moins de notre intervention. Moi. Pardon? J'espère que vous êtes content au moins de l'intervention qui est faite ce soir. Oui, 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 je m'attendais bien plus de monde que ça soir. Ah. Oui, je pensais que tout le monde allait débarquer, là. Tout le monde. Là. Ben oui, parce que si tout le monde entendait la même chose, ce serait une bonne affaire. Hein? Autant comme nous, ce qu'on entend que ça a été à MRC, autant comme nous, ce qu'on entend que ce qui est dit à Kruger, autant comme nous, ce qui est dit à l'Alliance, autant comme nous, ce qui est dit à À un moment donné, on fait quoi, nous autres, là? Nous autres, on administre cette là. Puis à l'heure qui est là, de là, à l'heure qui est là, je ne vous compterai pas demander, de là à l'heure qui est là, on a des questions, nous autres aussi. Puis nous autres aussi, ça nous prend les réponses. Mais on ne les a pas toutes les réponses. On ne les a pas toutes les réponses parce que le dossier, il n'est pas réglé, puis il n'est pas signé. Puis c'est même pas sûr que ça va se faire, le dossier à Saint-Paul, là. Tu sais, dans ma vision, moi, là, à l'heure qui est là, le dossier, là, rien, il n'est même pas sûr à Saint-Paul, là. Parce que quand il ne sera pas signé avec Hydro-Québec, là, pas sûr, là. Mais pour qu'il signe, tu peux faire ça. Ah, ben là, regardez, vous voyez, vous partez sur l'autre côté. Je suis content de vous entendre. Non, mais pour qu'il signe, tu peux se faire. Parce qu'il faut se faire autre chose. Il faut être consulté. C'est ça le message. Moi, la mauvaise, il ne faut pas la vie. J'ai bien raison de manquer de jus, là, parce que j'ai le. Ah, de toute façon, regarde. Même si on va vous le faire parvenir. On va être direct, là. C'est correct, on va vous le faire parvenir. On va le faire parvenir. À monsieur, à qui, là, qu'on fait pardonner? Alors, ah, oui, OK. Oui, monsieur. Hein? Pour monsieur, pour monsieur Gou, mais. Ouais. 18 avril. Ah, excusez. 9h49. Les deux je vous la mets en main propre. Directement, vous la passez au bacalier si vous voulez. C'est insultant un petit peu de se faire faire ça, là. Faut le dire, là. Puis, on a la discussion est terminée. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une réponse, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. La gare que tu parlais tout à l'heure pour. Oui. Ça va être sur un tracteur, ça? Oui. À l'arrière. Une gare avec le tracteur. Une gare qui vient comme ça. Ben, vous avez vu celle-là à Sainte-Lucie? Non, on avait vu celle-là de Sainte-Apolline, ce qu'elle avait fait. OK. Parce que dans le fond, c'est pareil comme celle-là de Sainte-Lucie, elle avait une chute un petit peu plus grosse. Dans le fond, c'est une gare avec des vitres au carbone, elle est capable de défaire la chenille. Quelqu'un y poule, dans le fond, elle est capable de manger autour. T'as pas ça, l'art travaillé. Contrairement à juste une garde normale. Non, j'ai beaucoup de trous, mais c'est des principales. Là, c'est pour défaire les trous. Les nids de poule. Pour reniveler. L'idée, dans 3 ans, la grade est payée. Parce que plutôt que faire passer le gradeur 2 fois, on va le passer 1 fois. Le parc municipal va faire les places, c'est que c'est plus, ça va moins bien. Puis 1 fois par année, on va faire passer le gradeur avec le calcium. Puis normalement, à l'automne, il va repasser pour reniveler. Fait que normalement, on devrait amener, en mettant du calcium, on vient avec une surface qui est plus tapée puis plus dure. Fait qu'on normalement, on devrait améliorer. Fait que je pense qu'il y a un investissement de 22 000, 25 000, quelques, avec les taxes. Là. Notre investissement, on considère que c'est un bon investissement. Oui? 72 000 là, pour la surveillance. Là. C'est pour la calcule, là, pour les. Oui. La compagnie qui fait ça pour garantir pas cette job, quoi, ou... Non, c'est que. C'est obligatoire, ça? Oui, c'est pas un surveillant de chantier, parce que si c'est moi qui y va, ce sera pas grave, hein? Non, mais je pensais, moi, que si la compagnie va subventionner pour faire sa job-là, me semble que quand t'es. Non, la compagnie, elle a fait la job. Oui. Mais si tu décides de faire un poncho, il faut qu'il commence là, qu'il finisse là, qu'il y a tel profondeur, tel. Surveillant de chantier, lui, s'il n'est pas à bonne profondeur, il va y faire redescendre, il va la mettre à bonne profondeur. C'est le mal que ça marche aujourd'hui. Ouais, puis eux autres ne sont pas capables de le mettre à la bonne profondeur. Ils sont probablement capables de le mettre à bonne profondeur, mais il y a du monde. On est rendu dans un monde où est-ce qu'il y a du monde qui ont exagéré. Puis aujourd'hui, ben. Ça prend une réunion pour surveiller une réunion. Ce qui arrive, c'est pour la fin, pour pouvoir conclure le dossier, s'il n'y a pas eu des mesures prises, s'il n'y a pas eu. Si ça loue, c'est sûr. Merci. Mais les surveillants de la MRC qu'on avait, ils n'existent plus.
Je vais aller à Mercier, ça fait un an et demi qu'il est plus ici. Hein? Ouais, mais il y en a plus. On n'a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est en payage pour ça, à l'identité, surveillant le chantier. C'est un technicien. Ouais. Puis ça fait un an et quelques qu'il est plus ici. Il y en a plus d'autres. Non. Ça a tombé à l'eau, ça. Ben, ça tombe à l'eau, c'est parce que si vous en connaissez, ça sera bien. On sera bien heureux. On sera bien heureux. Mais là, alors qu'il est là, il y a eu un offre de demande pour le remplacer, puis il n'y a pas eu personne. Ah. Fait que là, la municipalité a payé pour ça. Ben, c'est sûr qu'on ne paye pas des salaires pour quelqu'un qui n'est pas là. Ouais. Ben, c'était directement avec la MRC, ça? Ouais, mais la MRC nous rechargeait quand on payait des salaires, mais étant donné qu'il n'y a pas de salaire, on ne paye pas. Il change alors, vous voyez. Il change alors. Il change alors. Il n'y a pas au municipal des Saint-Paul, c'est le bien Saint-Lucie. Puis, du besoin, pas compliqué. C'était rendu au Cap-Saint-Ignace, c'était rendu à l'île aux Bleus. Il travaillait partout. Finalement, il y avait un deuxième technicien qui était engagé, qui n'a pas fonctionné. Puis, le premier, il s'en allait. Marche. Autre question? Oui? Ben, moi, je peux vous dire que cette lettre-là, je ne l'avais pas vue. L'autre point que je constate, c'est que c'était uniquement par rapport aux photos au niveau visuel avec Mme Cloutier. Et je ne me souviens pas que c'est Mme Cloutier qui a dit qu'on n'avait pas eu de réponse. Je ne sais pas qui a dit ça. Ben, Mme Cloutier a dit qu'elle n'avait pas eu de réponse. Elle n'avait pas eu de réponse sur le règlement qui datait de 3, 4, 5, 6 ans, qu'on n'avait pas répondu, puis la communication n'était pas bonne avec la municipalité, puis on ne répondait pas, puis on ne répondait pas. Ben, donc, tout le monde est au courant que non, le non, matin, mais là, cette là parle uniquement des photos. Il ne parle pas de n'importe quoi. C'était uniquement des photos. Je ne pense pas que c'était le sujet qui était adressé à la municipalité par rapport aux photos cette fois-là. Je pense que c'était un imbroglio, là. Ils n'ont jamais dit, ils n'ont pas parlé d'autre chose que les photos là-dessus. Ouais, je pense qu'on mêle les choses aussi. Parce que oui, là-dessus. Parce que là, on peut juste en prendre une question. Parce que je ne veux pas que ça passe pour parler. Ben, moi, je suis au courant de cette situation-là. On parlera du camion de pompier pour l'exercice de feu. On n'avait pas eu d'auto par rapport à ça. Ça n'a aucun lien avec ça. Non, on parle de Kroger, pas les éoliennes. Ouais, mais ben, c'est Kroger qui répond. C'est Kroger qui répond à ça, là. Ce n'est pas la municipalité qui répond, c'est Kroger qui répond à l'association du lac Joly. Sur un sujet peut-être bien précis. C'était juste sur les photos des éoliennes. C'était pas d'autre chose que ça. C'est ça. Puis madame, la ministre, envoyez-nous les photos. Attends, on va à la fois, là. Moi, je finissais, puis on va avec toi. Parce que ouais. Madame Moutier dit, envoyez-nous les photos, puis on pourra en discuter par la suite. C'est juste ça qu'elle dit. Fait que c'était pas par rapport à tout le projet des éoliennes et des réponses, parce que des questions avec Kroger, j'imagine qu'il n'y avait pas juste les photos des éoliennes qui les concernaient. C'est un paquet de questions. Est-ce qu'il dit qu'on va, oui, on va vous rencontrer, puis on est prêt à vous rencontrer? Par rapport à des photos. Par rapport aux photos. Tant qu'il y a des photos, tu réponds à toutes tes questions. Ben là, ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre à toutes les questions. Ben ils parlent juste des photos. Non, 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 les photos, c'est moi qui ai assisté le photographe. C'est pas le même dossier. On ne parle pas de la même chose. OK. Parfait. Vous avez raison. Parfait, c'est réglé. Fait que vous allez avoir l'invitation pour vous rencontrer la semaine du 20 ou du 27 avec Kroger. Puis vous poserez des questions. Pourquoi, M. le maire, vous êtes impoli? On n'est pas impoli, là. Pourquoi on se fait répondre? Je suis impoli. Je t'avoue que le lundi matin, ça aurait été pire que ça. Parce que je n'étais vraiment pas content de la rencontre du monde qui ont travaillé pendant 3 ans de temps à faire une planification, puis qu'on a bullshité ça comme ça. Je vais le dire comme vous le finissez là. Très comme ça. Très désagréable. Puis on n'est pas contre le lac Joly, puis on n'est pas contre le lac Gosselin. Vous êtes des contribuables de Saint-Paul. Mais n'oubliez pas qu'après les lacs, il y a du monde qui vit à Saint-Paul aussi. Ben oui, j'ai une maison dans le village aussi. Oui. Saint-Paul. Tu sais, à un certain moment donné, il faut respecter tout le monde là-dedans. La planification stratégique qui a été faite là, elle a été faite, oui, pour l'ensemble du village, essayer d'aller plus loin. C'est vrai qu'on ne peut pas parler des éoliennes là-dedans. Les éoliennes, alors qu'il est là, si vous autres, vous êtes capable de me confirmer qu'on a le progrès, là, ben on verra. Puis je comprends, M. Fallon, que c'est vrai qu'il faut le prévenir. C'est vrai, j'ai bien d'accord avec vous. Sauf qu'à l'heure qui est là, moi, je ne veux pas encore la confirmation qu'on a le problème. Pas en tout. Mais c'est parce qu'on ne peut pas attendre que le projet soit signé avant d'en parler. Parce que quand vous regardez le document... Moi, je suis content, monsieur. J'aimerais, si vous avez d'autres questions. Parce que je suis content de voir que vous vous impliquez dans la municipalité. Autant le lac Joly que le lac Gosselin. Je suis content.
je vais vous inviter dans la municipalité, puis que vous suivez le dossier. Je suis content parce que vous allez nous aider à prendre les bonnes décisions. Ça marche-tu? C'est ce qu'on veut. Ça. Et pas... Ah, mais impliquez pas juste, pas juste quand ça vous touche personnellement à vous autres. Venez participer aux activités dans la municipalité. Venez quand ça la donne qu'il y a des activités, qu'il y a des choses qui se passent, puis tout ça. Là. Nous autres, on vit dans la municipalité là, quand même. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des activités dans la municipalité. Puis on est heureux de vous rencontrer. Puis moi, je vais être heureux de vous serrer à la main. Puis de faire que la municipalité soit qu'elle se développe puis qu'elle avance. Parfaitement d'accord avec ça. C'est ce que je veux. On continue. Hein? T'as l'air à dire non? Tu as le droit. Non, parce que je suis pas d'accord avec ton opinion. OK. Ouais, tu as le droit. Une autre question. Tu as le droit. Moi, je suis d'accord avec. Solide ici. Bravo, M. le maire. Autre question? Merci beaucoup. Tu as proposé par M. Nadeau. Je suis tangué. Merci.